C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Salut à tous, ici Zuka et aujourd'hui on va jouer à Man Eater. Alors très sincèrement, je vais avoir du mal à vous faire le pitch complet du jeu. Basiquement, on joue en requin, il faut défoncer des gens et c'est vraiment orienté autour de ça principalement. Jeu bordélique, jeu fun, jeu qu'on va apprécier et de toute façon on va le découvrir ensemble. Cette vidéo ça va être du gameplay et on va essayer de faire voilà les 2-3 premières heures ensemble. Petit montage et tout, ça va être sympa pour vous et ça vous donnera d'ailleurs un premier aperçu du jeu. Si vous voulez le prendre, franchement, je pense qu'on va passer un bon moment, on est parti. Ah, nous voilà. Nous voilà, nous voilà, nous voilà. C'est magnifique. C'est merveilleux. Ok, alors on peut mordre. Il y a un macro-roi en face. Bon, ça va être notre cible. Appuie plusieurs fois pour mordre, puis pour dévorer. D'accord. Ah ouais, ok. Alors déjà, première étape importante. On peut passer en mode prédation. Ok, on peut survoler un petit peu. Et on peut sauter de l'eau. Ah! Ok, alors c'est quoi mon objectif? Oh, regardez, regardez. Oh, il y a des mecs là. Oh, je l'ai déboîté. Bon, bah voilà. Bon, bah ça, c'est mort. Eh, j'ai vu un hors-bord, on est d'accord? On a vu un hors-bord aussi qui traîne là-bas. Attends, là, c'est mon objectif, ça. Attention, attention. Oh, je l'ai chopé au vol, quoi. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Ça, c'est la destruction totale. Hein. Attention, faut faire gaffe à l'oxygène quand même. Attends, on fait pas n'importe quoi dans cette histoire. Et voilà. Et voilà, c'est déglingué. Ah, regardez, l'humain, il est encore en vie, là. Enfin, encore en vie. Oh, elle est dans la merde, elle. Hein. Allez, hop. Putain, lui, là. Oh, je l'ai déboîté. Je l'ai déboîté, je l'ai balancé en l'air et je l'ai rechopé. Attends, on peut balancer en l'air? D'ailleurs, hop. Et après, on peut rechoper. Ah, mais ouais, mais c'est magnifique, ça. C'est un bain de sang, ouais. C'est littéralement un bain de sang. C'est un énorme bordel. On adore, on apprécie. Hein ? Je vais me le faire capturer par lui, donc dans la cinématique. Et du coup, ah, y a un bébé dedans. Ce qui signifie qu'en gros, tu dois avoir les traits de... plus petit à chaque fois. C'est-à-dire que si tu meurs, tu réapparais en plus petit requin. En tout cas, ça sert à mettre la logique, hein. Quoique. Ah si, hein. Pas impossible. Oh, il s'est fait bouffer le bras. Il s'est fait déglinguer. Ah, la main du gars. Et voilà, et ouais, je réapparais, je suis le petit requin, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, oh. Attendez, attendez, on peut personnaliser le requin aussi. C'est fou, cette histoire. Attendez, attendez, il y a des évolutions, genre armure cartilagineuse, bon on voit renforcement de l'armure, mais glande à poison, déjà ça commence à être un peu plus bizarre, et organe bio-électrique, là on est quand même sur du gros what the fuck. Hein. Il y a une sorte de mini-boss là on dirait, alors c'est un mini-mini-boss, hein, ça doit être un des premiers. Le Maskinongé chassé. Attends, je vais le choper. Je sens qu'il va me déglinguer, je sais pas pourquoi. Oula. Wow, je me fais focus par les autres. Putain, y'a un petit là. Putain, le petit là déjà il me saoule. C'était un mini boss, hein. C'était vraiment du très très low tier. Hein. J'ai vraiment tenté de passer à travers la terre comme un idiot. Putain, mais alors là, c'est vraiment le pire raccourci du monde. Hein. Y'a un alligator à chasser. Attends, mais il est super vénère, je suis sûr. Ah, il m'a déglingué. Ouais, bah c'est plus tard. Hein. Ouais, ok, on peut aussi se faire bien déglinguer. Hein. Putain, on a trouvé une nouvelle grotte là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Oh tiens, on a des requins. Ah, c'est des mérous. Oh putain, il y a un machin, il m'a... Ultra instinct quoi le machin, il m'a foncé dessus à une vitesse. On a une caisse. Petit objet collectif, toujours bien, ça rapporte vraiment plein de points ça. Mais j'ai peur qu'il y ait que ça en fait hein. Ah des humains, ah des humains, nous y voilà. Salut. Ils sont résistants ceux-là hein. Hop là. On peut même faire du bateau si on a envie. Putain, il y a des humains là. Allez viens. Putain, lui là, il y en a un autre. Attends, je le jette. Pas très loin, pas très loin malheureusement. Il faut que je les bute pour augmenter mon infamie. Bon, mon gars là. C'est parti. Hop là, lui, déjà, il y en a un qui est mort là. Hop, je le dégage, allez, ça dégage. Je veux plus entendre parler de celui-là. Vous voulez vraiment vous fight avec moi? Ils font mal, hein. Waouh. Attendez, attendez, il m'allume, hein. Faut que j'aille à me restaurer en vie. Vas-y, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce mec? Il est Bayou Willy qui arrive. Ah, il veut m'éclater. C'est un boss. Oh, Bayou Willy. Il me veut, lui. Il me veut Bayou Willy. Niveau 6 atteint, ça c'est dommage pour toi, mon gars. Alors déjà... Hop, le petit chasseur qui dégage. Ensuite, toi là. Oh, c'est Bayou Willy. C'est Bayou Willy. C'est la cible. Hop là, nouvelle émotion d'ambio électrique. Yes. Putain, je peux... Ah, je peux changer ma mâchoire. Alors. Pour l'instant, j'ai ça. Et là, je mets... Ah, un peu plus intéressant. Donc, une décharge électrique qui affiche 2 points de dégâts et place un marqueur d'immobilisation. Ah, stylé. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a des chasseurs qui me... Je sais pas s'ils me cherchaient eux, mais... Ils mettent des gros coups de batte. Ils espèrent que je vais quitter le bateau, mais non, non, je déglingue tout. Ah, attention, non, je vais peut-être sauter dans l'eau parce que j'ai plus de vie là. Plus d'oxygène. Effectivement, j'ai un petit problème au niveau de l'oxygène. Regarde, il est là. Il est là. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Là, je pense qu'ils m'ont vu. Ah, loupé. Non, c'est mon genou. Mais bon, ils font mal, hein. Ok. Yes. Galère, hein. Hop là. Ton bateau là, je te le flingue. Et voilà. Bobby Bossange qui me chasse. Autant vous dire, je sais pas si c'est le... Elle m'attaque avec une trompette. Non, d'accord, ok. Alors par contre, voilà, s'il y a Bobby machin qui m'attaque, clairement, on va aller se cacher un peu. Voilà. On va aller se nourrir déjà. Je sais pas qui j'ai chopé. Non, Bobby machin, elle est là, je la vois. Ouah, elle attaque à la mitraille, toi. Putain, mais tu chasses à la M16, quoi. La bonne vieille chasse à la M16. Non, c'est aux pompes. Il y en a un qui tire à... Ok, un Bobby machin, là, je la déglingue. Yes. Allez, hop, ça dégage. Voilà. C'est quoi ce truc? Prédateur, le Barracuda. Allez, viens là. Viens là, viens là. Ah, tu crois vraiment que tu vas me battre? Ah bah peut-être. Oula, il fait mal. Je suis en train vraiment d'enchaîner. En fait, ah, mais il y a un barracuda tout court qui m'emmerde en même temps. Voilà, déjà, ça dégage. Je suis en train de l'enchaîner à mort. Hein. Attention, esquive. Hop là. Oh,
je l'ai déboîté. Well, most recognize it as the title of a classic rock radio staple. Did you know that it's also a fish? Well, it's true. Et du coup, on débloque des nouvelles améliorations pour continuer, pour aller encore plus loin, quoi. Mimipod. The savage shrimp. Ah. Bon, après le Echo Shootgun, on a quoi? C'est aussi, ça semble aussi un shootgun là. Bon, ouais, objectif, choper lui là. Il n'a vraiment pas de vie. Voilà, comme ça. Ça va là. Ah, il y a Mimipod, il est là-dessus. Bah, je suis en train de le choper là. Digestion des minéraux. Alors, voilà, nickel. Encore une amélioration. Et Laurent, ma famille qui passe niveau 3. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, et surtout, donnez votre avis dans les commentaires, c'est toujours utile d'avoir ce genre de retour. Merci encore, salut !